Être seul a du bon, mais on n'a que deux mains. Or, il est des moments où l'on en voudrait plein. Ainsi, lorsqu'il s'agit, sans espoir de rescousse, de fourrer une couette au-dedans d'une housse. C'est à n'en pas douter labeur digne d'Hercule, à l'exemple de qui n'avance pas recul. On espère, on déchante, on pleure, on sue, on tousse, étouffé dans la couette et bouffé par la housse. Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille sous le fond et l'enfer des chambres de bataille? L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse, mais à revers la couette vient délivrer la housse. Agitant le pilou comme une mouletta, dans l'arène où je vis mon tout dernier combat, à 5h du soir, torero andalous. Encorné par la couette et gisant sur la housse, on se prend à rêver de formules magiques, à signer de son sang un pacte satanique, quitte à avoir le diable à jamais à ses trousses pour que la couette veuille bien entrer dans la housse. Il paraît qu'il y a des astuces toutes bêtes, des tutos pour le faire, il y en a plein d'internet. Je les ai essayés, mais j'ai pas mis de pouce devant la couette, on roule tout au fond de la housse.